à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, le poteau François, il est venu, il m'a rapporté du matos. Alors évidemment, vous allez voir, c'est des choses très éclectiques. En gros, nous on appelle ça entre nous des bricoles qu'on se donne, qu'on s'échange, etc. C'est convivial, c'est sympa, c'est toujours utile. Vous allez le voir, il y a des choses utiles, très utiles, il y a des choses appréciables, il y a de tout. Il y a des choses un peu plus rares et il y a aussi du matos pour pouvoir redistribuer derrière. Donc moi, petit à petit, je me fais mon petit stock convention, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Et là, il y a un peu de matos. Donc la vidéo, vous allez vous installer bien confortablement, vous poser, prendre un petit breuvage, une petite substance liquide pour pouvoir vous alimenter et profiter pleinement du moment. Alors, on va peut-être commencer par ça. Avant de passer au carton. Le carton, je le mettrai certainement en miniature. Ça sera certainement la miniature de ma vidéo. Il y a pas mal de petites bricoles sympas. On va commencer par ça. Il m'a ramené une console. Écoutez, je tape dessus. Alors, elle n'est pas Yetamint, mais c'est une console que je n'avais pas dans cette version officielle. Je l'ai dans une autre version. Vous allez le comprendre tout de suite. Cette console, c'est l'Atari 2600. Alors oui, la boîte, elle n'est pas mint, mais elle a le mérite d'être complète et fonctionnelle. Alors, cet Atari 2600, en soi, c'est un dinosaure, on peut le dire. Mais c'est une console que je n'ai pas dans son état d'origine, puisque j'ai l'Atari Flashback. Donc, je me suis dit très sympa de la rentrer dans la collection. Vraiment, hein, là, on va dire, c'est une rentrée vraiment collection. Même si peut-être... je dis bien peut-être, j'en ferai une vidéo test. Donc la console est complète, manette, etc. Mais il m'a donné aussi des jeux avec. Alors je vais faire le listing des jeux. Il y a des jeux, il y a des notices. Il y en a quoi? Il y en a 5, 10, une bonne douzaine, on va dire. Une bonne douzaine de jeux. D'abord, il y a le tennis. Voilà, sur Atari 2600. Hein, tout ce que je vais vous présenter. Le Centipede. Ils sont tous en loose, hein. Je tiens à le préciser. Ensuite, celui-ci, je ne sais pas comment il se prononce. Puyan, peut-être, avec le cochon, là. Le petit Hellouf. Hein. Ensuite, on a évidemment le Miss Pac-Man. Mega Mania. Je ne connais pas, inconnu au bataillon, celui-ci. Je pense que c'est assez robuste, hein, ce genre de... Ce genre de cartouche, c'est quand même assez robuste. Le Moon Patrol, un jeu de caisse, un jeu de voiture, avec un espèce de buggy là et une soucoupe volante. On continue avec Astéroïd. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être très très moches graphiquement. Midnight Magic. Donc ça, ça doit être un espèce de, je sais pas, jeu de billes. Ensuite, Junior Pac-Man. Ici, c'est un Defender 2. Toujours sympa. Hein, et déjà, de rentrer le pack console, c'est stylé. Mais le rentrer avec... En plus, je trouve trop stylé la télé rétro sur le côté, là. Rentrer avec du jeu Off the Wall. Off the Wall, je sais pas, ça doit être... un jeu de baston, peut-être. Hein. Peut-être un beat'em up ou quelque chose comme ça. On se frite la gueule. Encore un autre tennis. Un autre jeu tennis. Et enfin, le Star Trek avec la cassette, là, au format un peu différent. Donc, je ne sais pas si c'est quel Star Trek, stratégie opérationnelle. Voilà pour le premier lot, hein. Atari 2600 avec pas mal de jeux. Il y a des notices. Alors, les notices, on va les voir au fur et à mesure. Je les ai mis dans le carton. Donc, le carton, il est là. Il est lourd. Il est conséquent. Je vais le mettre à mes pieds. Ça va être beaucoup plus simple pour moi d'extraire les objets de ce carton. Alors, on commence par quoi? Il y a plein de choses. On va commencer par ça. Franchement, je trouve ça carrément stylé. C'est un petit porte-monnaie Kirby qui vient du club Nintendo, qui est tout neuf, hein, que je trouve carrément stylé avec la petite zip derrière qu'on ouvre. Un beau goodies sympa qui va rentrer dans la collection. Je rentre plus de goodies que de jeux vidéo en ce moment. C'est pas grave, ça agrémente, ça met en valeur
Et lui, franchement, pour le coup, je le trouve carrément sympa. En plus, ma fille, elle est fan de Kirby. Donc, ça s'y prête parfaitement. On continue peut-être avec les goodies. Ça, c'est un goodies qui date de l'époque de la Wii et de la sortie de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Vous voyez de vous-même. Alors, c'est neuf, hein. C'est entièrement neuf. C'est un porte-clés. Enfin, c'est un ensemble porte-clés avec plein de petites extensions ici. Il y a une extension de Sonic Noir, des œufs, des. Il y a quoi d'autre? Il y a pas mal de petites bricoles. Et là, pour le coup, c'est établi par Sega et non par Nintendo. Mais je trouve le goodies plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on continue avec des notices. Des notices qui me seront utiles pour mes jeux. Ça, vous vous en doutez bien. Mais principalement mes jeux Nintendo, vous allez voir. Alors là, Game Boy Advance pour le coup. Le Puzzle League, Dr. Mario. La notice, elle est en excellent état. Donc ça fait plaisir. Ensuite, un jeu que je possédais sur Game Boy Advance. Et je me dis si je peux le choper en Game Boy Color. À vérifier, je l'ai peut-être en loose, mais pas en boîte. Le Game & Watch Gallery 3 sur un Game Boy Color. Je suis en train de me demander, est-ce que je ne l'ai pas sur les deux plateformes? Je ne sais plus. Je sais plus. Je perds la mémoire, les amis. On continue avec une autre notice. Alors, celle-ci, elle va me servir peut-être d'upgrade, je vais voir ça. En gros, j'ai deux Zelda Link to the Past sur SNES. Il faut que je regarde les notices. De souvenir, il y en avait une qui était assez froissée. Donc là, c'est une notice qui est a priori en meilleur état. Je vais faire la comparaison en tout cas. Et je garderai celle au pluriel, les deux, en meilleur état. Et la troisième, qui sera un peu plus en abîmée, je verrai ce que j'en fais. On continue avec un jeu Nintendo Switch Just for Game, limité à 5000 exemplaires. Le jeu, c'est Chink. Chink. Il est neuf sous blister. Donc, franchement, sympa le cadeau. Et c'est marrant, il laisse encore le franc dessus. 98 francs 39. Du coup, ouais, là, c'est l'édition, c'est le numéro de 3263. Il a l'air sympa comme jeu, donc à tester. On continue, on avance, hein, on avance, les amis. Donc là, ça c'est lié à l'Atari 2600. Je pense que c'est la notice du jeu de tennis. Ensuite, ça c'était, à mon avis, dans le pack console, la garantie. La garantie de l'Atari 2600. Donc ça, je vais le remettre dans le pack console. La notice de Defender 2. La notice de Astéroïde. La notice, le feuillet de Junior Pac-Man. Hein, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a quoi? Il y a deux pages. Et encore? Ouais, il y a deux pages. Ensuite, le Midnight Magic. La notice de Pole Position. La notice de Moon Patrol. La notice du pack console. Mais il me semblait que c'était dedans. C'est peut-être un double. Je vais le revérifier. J'ai pas pris le temps de tout déballer. Hein, de regarder l'intérieur, les plastiques, etc. C'est pas grave. Je ferai ça après. Le Centipede. Alors lui, il n'était pas dans les cartouches, donc c'est en plus le Dig Dug, la notice. Encore pole position, donc double notice de pole position. Et enfin le Star Trek que j'ai présenté en dernier. Bon, je pense que j'ai fait le tour des notices Atari 2600. Et je ne vais pas dire que ça m'intéresse moins ces notices, content de les avoir, mais c'est plus la console en elle-même pour la collection. Voilà. Je sais que je ne vais pas acheter de jeu derrière Atari 2600. Très peu, peut-être E.T. ou des petits trucs comme ça qui m'ont toujours interpellé. Mais sinon, non. C'est vraiment voilà, le hardware qui me plaît en termes de collectionnite. J'aurais du mal à me lever chaque matin en me disant, vas-y, on va jouer à l'Atari 2600. Déjà, à l'époque de la Master System, je trouvais ça claqué. Hein, parce que j'avais le choix entre l'Atari 2600 et la Master System. Une notice aussi en très bon état. Ça fait plaisir. Un très bon jeu NES, le Faxanadu. Alors, mode d'emploi, donc ça veut dire que c'est une notice FH, pardon. Content, très content de la rentrée. Une notice de Super Mario Bros 3. Donc content. Les notices, c'est toujours un plaisir de pouvoir les rentrer pour pouvoir upgrader. Et éventuellement, lorsque j'achète un jeu et qu'il est sans notice, c'est un argument de discussion, d'échange, hein, pour pouvoir un peu faire une remise, un rabais. Et derrière, moi, je sais que j'ai la notice. Donc je rebondis sur ça.
J'ai présenté la dernière fois une pochette DS Pokémon. Donc là maintenant, je rentre la Super Mario World, Super Mario 3D World. Franchement, ça fait plaisir. Là, c'est pour la 3DS. Et ensuite, le Ocarina of Time 3D. Et celle-ci, elle est vraiment recto verso, elle est stylée. J'aime bien. Donc on peut glisser la console ici en fait. Ça fait une protection. Voilà. Alors il y a plein d'autres choses encore. Mais on va continuer avec ça. Il m'a ramené des cales. Des cales, c'est toujours utile. Ça, c'est un peu ma bête noire de jeu N64. Là, c'est principalement des cales N64. On le voit avec l'arrondi ici. On voit rien que la lumière, mais voilà, l'arrondi là. Donc il y en a une, deux, trois, quatre, cinq cales. Et je sais que j'ai plus que 5 jeux sans cale. Je pense à N64. En règle générale, quand je rentrais à l'époque, un gros jeu, et là je dis à l'époque, c'est vraiment à l'époque, un gros jeu qui n'avait pas la cale, ça m'énervait un peu. Donc j'allais chercher dans les jeux qui me plaisaient un peu moins la cale pour la mettre dans les autres jeux, pour que le jeu soit vraiment très propre. Et j'ai un peu, sans la cale, ça s'affaisse assez rapidement. Il y a plus de facilité d'abîmer la boîte. Donc là, j'en ai rentré 5. Bon, normalement, je devrais pouvoir la monter moi-même. Je suis pas manuel, mais là, bon, je devrais pouvoir la monter et je vais m'empresser de compléter mes boîtes pour les rendre al dente, œuf, jambon, fromage, les potos. Il m'a pas ramené que ça. Et là, pour le coup, il m'a gâté. Il m'a ramené des Crystal Box pour jeux SNES et N64. Alors, il y en a une que j'ai déjà pris, qui est là-haut, hein, au moment où j'ai un peu, vous savez, la notice de Mario World, Super Mario World, etc. J'ai complété, j'ai fait un jeu Mario World aux petits oignons. Du coup, j'ai mis une Crystal Box. Donc là, il y en avait une deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une douzaine, on va dire. Une douzaine de Crystal Box, bah, ça fait toujours plaisir. Ça, je sais toujours quoi en faire. Ça, je vous le dis. Donc là, peut-être après la vidéo ou ce soir, je prends toujours un petit moment le soir pour ranger des trucs. Et là, ça sera l'occasion de compléter. Compléter principalement les jeux SNES et N64. On peut faire d'autres formats avec ça. Hein. Des fois, je bricole des formats Mega Drive, etc. Alors, maintenant, moins. Mais à l'époque, j'achetais des Crystal Box, ils ont peut-être un peu changé, qui me permettaient d'avoir les formats, par exemple, du Sonic et Knuckles, boîte carton Mega Drive. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours exactement le même. Alors, on va continuer, on va faire quoi dans l'ordre? Ah, ça c'est sympa. Alors, ça, c'est quoi? Et je reçois beaucoup de messages d'abonnés, pas sur mon YouTube forcément, mais parfois en privé en Messenger, qui me disent, nous, on est collectionneurs, comme toi, Fouini. Joueur collectionneur, mais on aime bien mettre les jeux PS4, PS5, Switch en valeur dans des boîtiers anti-vol. Les boîtiers qu'on a dans les grandes surfaces. Et je leur dis toujours, bah, faut aller voir les grandes surfaces, savoir s'il y a possibilité d'avoir ces boîtiers. Et ils me répondent que bah, les grandes surfaces les gardent pour la génération de jeux qui arrive. Là, pour le coup, ils m'en ont ramené quelques-uns. Donc là, par exemple, c'était plutôt le format PS4, je dirais. Donc ça s'ouvre comme ça. Le problème, c'est que si je clipse ici, il y a la petite, je sais plus où, ici là. Si je clipse ça, bah, je pourrais pas l'ouvrir parce que j'ai pas la clé qui permette de coulisser ça. Donc je sais pas si quelqu'un a une solution, si je le ferme vraiment, pour pouvoir le réouvrir moi-même sans le truc des grandes surfaces. Vous savez, crac, ils ouvrent. Bon, au pire, je peux les mettre dedans sans le clipser, hein. Éventuellement, je pourrais mettre un tout petit bout de scotch là, parce que sinon ça s'ouvre vers le bas. Mais dans tous les cas, ça fait un peu, pour mes gros jeux, on va dire, qui me tiennent à cœur, PS3, PS5, que je veux garder en bon état et les mettre en valeur au sein d'un, voilà, la bibliothèque. Ça fera le taf. Ça fera le taf. Ça fera le café, je voulais dire, j'ai fait un mélange des deux. Donc il y en a un deuxième ici. Un troisième. En fait, il y en a quatre. 4. Celui-ci, il est carrément avec l'application Micromania. Ouais, c'était plutôt les boîtiers Micromania. J'ai grande surface. Je pense que plutôt Micromania. Je vous ai dit une bêtise, mais c'est quasiment les mêmes en grande surface. Peut-être grande surface, ils ont le logo PS4 au-dessus. Bah là, il y en a peut-être un de grande surface en dessous. Vous allez voir. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et après, celui-ci, par exemple, il est un peu différent. Il a le logo PS4 ici. Enfin, le logo,
Je viens de l'arracher avec mon doigt. Il est censé avoir le logo. Bah, ça, je peux le recoller. Peut-être les autres l'avaient en fait. Peut-être, hein. Ouais, peut-être les autres l'avaient. Et il s'est décollé. Vous voyez, lui, il l'a pas rien. Bon, en tout cas, il m'en a ramené une petite dizaine. Une petite dizaine de boîtiers. Je ne sais pas si je vais garder les 10. Je vais voir en fonction de mes jeux, ce que je vais mettre en valeur, etc. Mais j'ai envie d'en faire gagner au moins un ou deux à ceux qui me le demandent depuis X temps. Voilà, je me dis ça rentre bien dedans. Après, il en a d'autres, le poteau François. Hein, je lui fais une énorme dédicace d'ailleurs. Il le sait, je lui fais tout le temps des dédicaces, mais là en particulier, puisque lorsqu'il m'offre régulièrement un peu de matos, et au même titre dans l'autre sens, hein, et bah, on se dit que bah, il n'y a pas de problème si on veut le redistribuer derrière. On fait ce qu'on veut en fait. À partir du moment qu'on reçoit le cadeau, les objets, on se dit qu'on en fait ce qu'on veut. Si on veut les switcher, par exemple, la notice Zelda, imaginons que je fasse un up de ce que j'ai. Qui me reste une notice, bah, ça ne me dérange pas de la switcher, etc. Et lui, ça ne le dérange pas non plus. Et vice-versa. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser. On continue, il reste des goodies, il reste des très bons goodies. Pour moi, les meilleurs. Les meilleurs de ce que j'ai présenté là. Non, enfin les meilleurs, j'ai oublié ce petit goodies là. Il y a deux, trois petits goodies que j'avais oubliés. Ça, c'est marrant. C'est une balle du Mario Tennis. Vous savez, les balles anti-stress du Mario Tennis sur Switch. Donc là, j'ai trouvé ce petit goodies plutôt marrant. Pareil pour ces deux-là. Ici, c'est un pins. C'est un pins. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Un pins qui a été donné au moment du tournoi World Cup sur N64. Et du coup, bah, ça, c'est un goodies qu'on ne doit pas avoir souvent, j'imagine. Il m'en a donné deux. Voilà. Deux goodies. Donc ça va aller dans la collection N64. Parce que ma collection N64, elle est quand même pas mal. Hein. Allez, 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 al dente, les gars. Je suis désolé, hein, je suis obligé de le dire. Hein. Allez, je vais le redire encore une fois. Allez, même œuf, jambon, fromage. Bon, ensuite, il m'a offert des petits goodies carrément sympas. À l'époque de la 3DS et du Zelda Spirit Tracks. Je ne sais pas si on voit, j'essaie de. Voilà. À cette époque-là, on a les petites figurines ici. Toutes neuves. Vraiment, plus le socle pour les poser. Bah, j'en ouvrirai une et que je mettrai en valeur au sein de la collection. Pourquoi je dis j'en ouvrirai une? Parce qu'en fait, il m'en a donné 4. Alors, à la base, il m'a donné 4 pour pour chaque enfant et moi. Mais je vais voir avec les gamins si il n'y en a pas un que je peux mettre de côté aussi pour éventuellement une petite convention ou éventuellement faire plaisir à un abonné. Parce que ce genre de petits goodies, ça court pas les rues. Franchement, ça court pas les rues, ces petits goodies Zelda, à l'effigie, tout neuf, dans le plastique. À l'époque de la Nintendo DS, donc ça veut dire. Je regardais s'il y a l'année ici. 2009, voilà. 2009, donc ça, c'est ce goodies-là, ce petit goodies, il a 15 piges. Et il est resté neuf sous blister. Bon, on continue. On continue, les amis. Beaucoup de choses hein, dans ce carton. Et après, enfin, pas après. Il y aura d'autres vidéos qui suivront, vous allez voir, j'ai fait pas mal de rentrées. De rentrées, alors des fois avec de l'argent, évidemment. Des fois, on est obligé de sortir des liasses de billets. Des fois avec du troc, des fois avec des cadeaux, il y a un peu de tout. Alors, on continue avec ce colis, en tout cas. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi d'après vous? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, franchement, vu la taille, vu cet insert. Ça cloisonne drastiquement, on va dire, les possibilités. On est dans un fermé borné, là. Aïe, je suis désolé, les gars. Et à l'intérieur, on a quoi? Bah, du coup, du GameCube. Si j'arrive à l'ouvrir. Et voilà, j'ai réussi. On a le CD, qui est Zelda Ocarina. Mais ce n'est pas tout à fait le même que celui qui est dans le pack collection. Je pense que celui-ci, c'était plus. Au moment de faire découvrir le pack. Et c'est pour ça qu'il est dans cette petite boîte, etc. Il est tout neuf. Touche d'id. Évidemment, j'en ai deux. Parce que j'ai deux mains, les amis. C'est normal. J'ai deux mains, donc il m'en faut deux. Donc franchement, très stylé, ça j'aime bien. Ça va aller dans la collection GameCube, évidemment. Donc j'ai dit que j'avais une collection N64 al dente. Collection GameCube al dente, donc c'est pas mal.
On continue, il reste trois objets. Un objet qui va rendre encore plus al dente, on va rajouter un petit peu d'assaisonnement à la collection de N64. Et franchement, là, il m'a fait plaisir. De ouf. En gros, il m'a dit, Fouini, quel est ta coloris préféré de manette sur N64? Puis après, j'ai réfléchi assez rapidement. Ça a été assez instinctif. Je lui ai dit, franchement, le bleu, j'aime beaucoup. Et du coup, il est arrivé avec une manette 64 toute neuve, bleue. Alors, vous voyez, il y a les coloris ici. Donc vous avez bleu, jaune, etc., vert. Alors moi j'ai la grise, non pas en boîte, mais dans les packs console. J'ai la noire en boîte, j'ai la rouge en boîte, j'ai la verte en boîte, pardon, la verte est là. Et bah du coup maintenant je rentre la bleue. Et bah franchement ça fait zizir, ça fait plaisir, toute neuve, pardon. Je pourrais l'ouvrir par-dessus, mais je vais la laisser dans son état al dente. Pour le moment en tout cas, on verra. Alors, ce qui se passait, pour la petite anecdote, vous allez dire, ouais, mais c'est une Jap. Mais ce qui se passait, c'est qu'en France, ils distribuaient aussi les Japs. Quand il y avait un manque, ils importaient, puis ils collaient étiquette française ici. Là, bon, ça n'a pas été collé, heureusement pour moi, parce que j'aime bien l'avoir toute lisse comme ça. Donc, très, très content de rentrer cette manette N64 au sein de la collection N64. Ça faisait des siècles que j'avais rien rentré, et là, en l'espace d'une semaine, je rentre cette manette. Et je rentre le Vigilante 8 en FR complet. Et des Crystal Box pour pouvoir étoffer tout ça. Deux autres goodies pour finir. J'ai rentré récemment des Play Art de Star Ocean. J'ai montré en visio, lorsque j'ai été visiter le cache Carrefour Occasion de Tourville-la-Rivière, des Play Art de Final Fantasy XII, je crois, de souvenir. Et bien là, j'ai la chance de pouvoir rentrer des play art de Dragon Quest. Quelle année? Quelle année? 2006. 2006, les potos. Voilà, donc là, on a, je ne sais plus comment il s'appelle, le Yangus. Yangus. Ouais, Yangus. Voilà. Alors, François les avait achetés en déstockage il y a ce nombre d'années. Il les avait achetés 7 euros, je crois, pièce. C'est écrit là, on voit pas grand-chose, mais. Donc là, très content de la rentrée toute neuve, celle-ci. Ça fait pas mal de play art que je rentre. Donc là, ça fait plaisir. Et enfin, la dernière, c'est toujours Dragon Quest. Sauf que là, cette fois-ci, c'est un autre personnage. Il s'agit de Angelo. Pareil, toute jadide, toute propre. Bah, franchement, ça fait plaisir. Et voilà, on arrive. On n'a plus rien dans le carton. Alors, je voulais vraiment. J'allais dire bâcher ça en 20 minutes pour que ça soit assez dynamique. Je pense que c'est mission accomplie. J'espère que ce contenu vous a fait plaisir. Moi, j'ai pris plaisir non seulement à évidemment à le recevoir, mais aussi à le déballer et le présenter en votre compagnie. Voilà les amis, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.